d'abord que ces actions soient claires, lisibles, que les priorités soient parfaitement établies et soient en petit nombre. Et ensuite, que des liens puissent être faits avec ces salariés, soit en développant le mécénat de compétences, soit en proposant qu'une fraction des fonds du mécénat de l'entreprise soit attribuée à des actions, associations ou initiatives émanant des salariés eux-mêmes. Le mécénat devra éviter deux écueils. Le premier, c'est celui de venir en substitution de politiques publiques défaillantes. Vous le savez, les États ont des difficultés de financement et pourraient être tentés de faire financer leurs politiques par le mécénat. Le second écueil, c'est justement d'être trop éloigné des préoccupations de nos concitoyens et de se cantonner à des domaines de recherche fondamentale ou d'activité culturelle qui pourraient paraître décalés à nos concitoyens. De faire émerger au sein de nos plateformes aéroportuaires des communautés de donateurs qui se cristallisent autour d'Aéroports de Paris. Je pense par exemple à un sujet qui est l'illettrisme. Nous avons le projet de réaliser un fonds de dotation autour de la plateforme Charles de Gaulle avec les compagnies aériennes, les assistants en escale, les sous-traitants et Aéroports de Paris naturellement dans notre action de lutte contre l'illettrisme.